Nog tijdens de 18-daagse veldtocht kwam een sinds lang smeulend meningsverschil tussen koning Leopold en de regering Pierrelot tot uitbarsting. Tijdens een dramatisch gesprek tussen de koning en vier van zijn ministers, de 25e mei 1940 in het kasteel van Wijnendalen, verkoos Leopold III definitief in het land te blijven en zijn regering niet naar Frankrijk te volgen om er de strijd voor te zetten. Zijn besluit tot capitulatie stond vast. Toen bleek ten volle hoe groot de invloed van persoonlijke raadgevers zoals generaal Van Overgaan en ook nog Hendrik de Man op de koning wel was. De breuk tussen koning en regering was volledig. Nous sommes arrivés à Wijnendaal parce que nous pensions les ministres qui étaient restés à la demande du roi en Belgique, c'est-à-dire M. Pierrelot, le général Denis, M. Van der Poorten et moi-même, nous pensions qu'il était temps de partir et de rallier nos collègues qui étaient en France. Et nous avons téléphoné au quartier général. Le quartier général ne s'occupait pas beaucoup de nous. Nous avons téléphoné au quartier général le 20, M. Pierrelot, et on lui a dit les Allemands sont, pas le 20, le 24, les Allemands sont à Balgeroux, c'est-à-dire à 15 km de Bruges où nous étions. Il n'y avait pas un soldat entre les Allemands et nous. Nous pouvions être faits prisonniers dans la nuit ou le lendemain matin, ce que nous ne désirions pas du tout. Alors le matin du 25, très tôt, nous sommes partis. Nous savions où était le quartier, tout le monde où était le roi. Nous sommes arrivés au château de Wijnendaal. Et là, voilà, il y avait un point qui était absolument clair. Le roi, qui n'avait jamais dit ni oui ni non, nous disait d'une manière tout à fait formelle, je reste en Belgique, je ne pars pas.